du grand jour. Nous avons mis le smoking, évidemment, pour le dénouement de cette compétition. Il y a le parfum, l'ambiance, l'électricité dans l'air. Tout est prêt avant le coup d'envoi de cette finale. Tant attendu, Everton. Ça marche comment? C'est la finale et tu as fait venir toute ta famille à la tribune. Il y a les supporters qui sont très excités, les dirigeants qui sont là, beaucoup de journalistes. C'est un moment qu'il faut savourer. Ça te rajoute des responsabilités, mais c'est un privilège d'arriver à ce niveau. C'est pas tous les jours qu'on joue une finale. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Ça joue dans un 4-5-1 assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. La composition des Wolves. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Abdoulaye Doucouré. Avec Moussa Diaby maintenant. La frappe est contrée. Attention, pénalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et le pénalty est transformé de la course à la frappe, tout est réussi. Et les Wolves sont menés d'un but. On attend la réaction maintenant. Allez, c'est bien défendu sans commettre de faute. Abdoulaye Doucouré. Eh bien vu, la passe en profondeur. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. La passe vers Diaby. Le ballon change de camp. Et c'est une remise en jeu à venir. Les Toffees ont de l'espace là sur le côté. Et le ballon vers la surface de réparation. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Everton qui tente de porter le danger. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Adama Traoré. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ballon pour Adama Traoré. Le ballon pour Matheus Cunha. La frappe pour l'égalisation peut-être.
Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Voilà, il feinte avec ce corner joué en deux temps. Adama Traoré, oh c'est bien défendu. Et voilà une conservation défensive pour gagner du temps. Le ballon en touche. Le ballon est récupéré. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Et duel remporté, il va pouvoir relancer. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Et la bonne transmission dans l'espace. Bah oui. Le but. Et déjà deux buts d'avance dans cette finale. Regardez, la clé de ce but. C'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe. Je vais le montrer ce but. Un beau petit but avec un geste technique de Keane. On fait la vaisselle hein. Aujourd'hui pour la paye. Et puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et voilà un ballon qui est intercepté. Les chiffres de la possession sont assez favorables à Everton. Et même si la possession, c'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Ah mais là, il va falloir se mettre un petit peu à défendre.
Le centre, il y a du monde. Une possibilité pour frapper. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Ballon en corner. Le corner. Ah, pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Et c'est intercepté, ça. Il y a un contre possible à jouer là. Everton avec le ballon pour tenter quelque chose. Il frappe. Tir contré sans difficulté. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et oui, penalty. Et c'est sauvé par le gardien. Pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. La progression d'Adama Traoré. Mateus Cunha reçoit le ballon. Excellent timing sur cette interception. Une séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Magnifique, quelle passe. Oui, c'est bien fait. Allez contrer cette frappe. Et voilà, pas, on ira. J'ai eu peur de l'avoir touché et qu'il y avait pénalty. Ça va. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Wolverhampton en danger, le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Bon, Vargas. Abdoulaye Doucouré. Et ça joue avec David Neres. Le ballon part au deuxième poteau. Ah, c'est récupéré très haut ça. Everton qui tente de porter le danger. Ouais, c'est contré, bonne défense. Avec Keane maintenant. Ah, le ballon n'arrive pas à destination, c'est dévié.
David Neres avec la balle. Ah non, hors-jeu sur cette remise là, attention. C'est ce qu'on appelle une faute de concentration. Il faut se réveiller là. Moïskine. Ouais, la différence est faite. Ah, il peut frapper Moïskine. Le tir en finesse plutôt qu'en force, c'était plutôt une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. Et l'équipe reprend la possession. Abdoulaye Doucouré. Il prend sa chance. Ballon facile pour le gardien. Mateus Nunes. Et c'est pour Pedro Neto. Occasion avec cette frappe. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Oui, à deux, c'est bien fait. Mateus Cunha reçoit le ballon. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et peut-être le but pour revenir. Oh, Pickford incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? La balle était déjà rentrée! Comment il a fait? C'est un contorsionniste! Ah, pressing réussi, pressing payant. Mateus Cunha. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Oh, Pickford, il est monstrueux là. C'est joué court. Pour Adama Traoré. Traoré, quelle opportunité, mais c'est raté. Dommage, parce qu'avec ce but, tu reviens à une longueur et c'est plus le même match. Alors, à venir sur nos antennes et à vivre ensemble, évidemment, ce rendez-vous de Première Ligue, Wolverhampton à Southampton. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Abdoulaye Doucouré. C'est une balle pour Neres. Eh oui, par-dessus, pourquoi pas. Ballon vers Moïskine. Ben, c'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Elle la passe en profondeur, attention. Ballon pour Adama Traoré. Récupération du ballon. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et le drapeau se lève pour une position de hors-jeu. Quelle occasion pourtant. Arrêt de jeu. Mais on ne rentre pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut apporter le danger maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. David Neres. Pour Vargas. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ballon pour Doucouré. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Et c'est donc une touche.
Mateus Nunes. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Ah, sobre mais efficace, super intervention. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense est battue. Super l'intervention. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires.